10 mai 1940. Tout est calme autour de l'ouvrage, tellement calme que les personnes présentes à l'époque pourraient prétendre que la drôle de guerre n'existe pas. Mais à l'intérieur de l'ouvrage, les troupes se pressent. À 7h, la ville de Maubeuge subit un bref bombardement. C'est désormais officiel, ils arrivent. Les informations venues du front racontent que la manœuvre d'île est une catastrophe. Les Allemands écrasent tout sur leur passage. L'ouvrage de Boussois, tenu par la 102e compagnie d'équipage d'ouvrage, attend de pied ferme et compte bien accomplir leur devise « on ne passe pas ». Le capitaine Bertin, commandant d'ouvrage, organise la défense. Les troupes sont prêtes. Le 11, la 5e Dino, division d'infanterie nord-africaine, remonte sur la Belgique, exécutant les ordres de la manœuvre d'île. Les réfugiés s'amassent à la frontière. Du 17 au 18, la loose va à feu attaque intensément. Les canonnades se font ressentir. Le capitaine Bertin ordonne des tirs de couverture vers les casemates de l'Épinette. Une longue bataille de 4 jours commence. Premier coup de canon tiré du bloc 3. Les combats faisaient rage, l'artillerie et les bombes des Stuka faisaient trembler tout l'ouvrage. Les troupes présentes dans les chambres de tir étaient abasourdies par les bombes et les obus, tels des coups de masse donnés par un géant. Ensuite, le premier assaut, les troupes de choc allemandes. Les Stosstruppen du 83e régiment d'infanterie, voulant coiffer les casemates, attaquent fanatiquement, manches retroussées à coups de clairon, comme cela se faisait jadis. Ce fut un véritable carnage. Au fur et à mesure des affrontements et pilonnages, des canons anti-chars sont gravement endommagés et réparés plusieurs fois. Feu à volonté, les mitrailleuses crachent, un soldat décrit la scène. De ce second assaut, j'ai conservé une image terrifiante de la guerre, celle qui tue sans pitié, sans savoir. Ce fut infernal. Les Allemands surnomment l'ouvrage « le monstre imprenable » et dépêchent une pièce d'artillerie de 420 mm autrichienne, dans l'éventualité d'anéantir le fort et son équipage tout entier. Dans ce type de fort, les repas étaient pris dans les couloirs, les soldats rabattaient les tables des murs, et entreposaient les tabourets dans ces niches.
Les soldats nettoyaient leur vaisselle un par un dans cet endroit. La coupole armée mixte du bloc 2 est hors service. Le point faible de ces tourelles était les fixations des armes, qui cédaient sous le choc des impacts. La ventilation est endommagée, le bloc 1 a terriblement souffert, l'entrée est partiellement détruite. Mais malgré tout, les troupes ont le moral et tiennent bon leur devise. Pour en savoir un peu plus, cet ouvrage a été bâti sur les ruines de l'ancien fort serré de rivière, appelé Kilmen, entièrement détruit en 1914. Mais il reste tout de même des vestiges de l'ancien ouvrage. Le puits ainsi que le tunnel d'évacuation, très reconnaissable grâce à la brique. Les ouvrages autour de Maubeuge sont presque tous bâtis de la même manière, ce qui était un problème à cause de leur position sur les hauteurs, et du coup très visible. De même que les Allemands étaient au courant de l'emplacement des anciens forts, ce qui n'a pas été à notre avantage. La vie dans les ouvrages était difficile, les soldats ne sortaient que très rarement, mis à part le génie pour les entretiens extérieurs. La vie sous terre pouvait causer le syndrome de la bétonite, appelée aussi la maladie du béton, causée par tout ce temps passé sous terre. S'est écarté. Le bloc 3 a énormément souffert à cause des pilonnages et bombardements, mais aussi par le dynamitage de la tourelle et des cloches. Son accès est franchement déconseillé, le système de pont-levis étant très rongé par la rouille. C'est plus de 30 bombes de Stuka lancées, et des centaines d'obus et 3 assauts dont le dernier sera fatal. Mais bon,
La ventilation ne fonctionne plus. L'équipage ne tient plus. Le capitaine Bertin réunit les officiers. Les casemates sont coiffées et les lance-flammes sont utilisées. La reddition est donnée. Le fort résista 4 jours. Le général Hans von Hofelder et ses troupes rendront les honneurs à l'équipage. Le capitaine Bertin apprit dans le début de la captivité qu'un soldat allemand parlait très bien le français et avait travaillé sur le chantier de Boussois. Les Allemands étaient au courant de tous les points faibles, notamment grâce à la ligne tchécoslovaque, jumelle de la ligne Maginot. Les Allemands n'avaient tout simplement pas prévu une telle combativité de la part des ouvrages de la ceinture fortifiée de Maubeuge et de la 101e division d'infanterie de Forteresse, regroupant le 84e et 85e régiment d'infanterie de Forteresse. Cette bataille s'appelle la bataille de la Sambre, et ses ouvrages ont permis, entre les assauts et bombardements, l'évacuation des troupes revenues de la manœuvre d'île, qui combattront dans la forêt de Mormal jusqu'à l'évacuation à Dunkerque. La bataille de la Sambre sera scellée après la chute de la ville, le 23 mai 1940. On peut peut-être en conclure que la combativité et l'efficacité de nos troupes de forteresse ont permis au succès de l'opération Dynamo.